Eh bien, salut tout le monde, c'est Eric. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de MGS5. Ce n'est pas moins que le troisième, donc épisode qu'on s'enchaîne. Et on est enfin en Afghanistan, donc à Kaboul, sur des terres un petit peu abandonnées, donc d'avant... T'entraîner ? Ouais, non, mais moi je... D'accord. Ok. Donc, ce qu'on devait faire, c'est passer chercher des renseignements, donc, avant de sauver Miller, chercher des renseignements, donc, au village de Yawalo, voilà, pas du tout dur à prononcer, putain, la beauté des paysages, ma gueule, c'est abusé. Là, j'y mettrais bien un petit sniper, tu vois, si j'avais un petit sniper, ben, je l'aurais... Ah, le pistolet tranquillisant. On a aussi le bon vieux pistolet tranquillisant, donc, de... Bah, des Metal Gear donc de base, et on a donc un fusil d'assaut silencieux, des grenades, ok, bon. On va y aller au pistolet tranquillisant, parce que le pistolet tranquillisant, c'est la vie. Conseil, ok. Bon, bref, on va avancer. Alors, d'accord, ok, tu peux faire ça, se cacher sur le côté droit. D'accord, ok. Ok, donc... Quand on fait ça, d'accord. Et j'ai pas moyen d'aller plus vite que ça avec mon cheval, ou est-ce que je peux aller à une vitesse un petit peu plus élevée? Ok, donc toquer. R1, d'accord. C'est pour mes jumelles qu'on avait déjà donc sorti la dernière fois. Ça a l'air vraiment très très beau. Donc la carte, elle est là. D'accord. Donc là pour l'instant, ah ouais, il y a quand même une carte qui est assez sympa. Pour l'instant, elle n'est pas très très grande. Mais bon, vu que j'ai reçu la carte donc avec le jeu. Il y a une carte, un poster de carte pour l'édition d'Iwan à l'intérieur. Et c'est vrai que la carte paraît vraiment très très grande. Et on dirait que cet endroit est plutôt un tout petit passage en fait de la carte, quoi. Et c'est vrai que c'est beau. C'est putain de beau. J'ai eu l'occasion également de jouer un petit peu après à MGS, donc à Micromania. Et c'est vrai que j'ai pu visiter un peu la carte. C'est assez sympa, franchement. Ouais, t'inquiète, mon pote. Alors là, j'ai pas l'impression de voir des gardes. On va descendre. On arrive quand même pas si loin que ça. Ok. You're almost at the enemy outpost, Violo Village. The village is crawling with enemy soldiers. Don't just go. Attaque à couvert. Start with some recon. Is there anywhere that overlooks the village? Ok, on va peut-être rentrer dans ce bâtiment. Ah. Là, il y a des choses. Hop, on va récupérer. Ok, ces minerais sont encore... Donc, des diamants. Ok. Donc ça, apparemment, c'est pour... Donc, les diamants seraient donc... D'accord, on devrait attirer mon prix. Donc, c'est pour revendre et se créer sa propre mover base, en fait. Voilà. Donc, faire des métaux et créer sa propre mover base. En fait, ça comme Oslo nous a dit... il va falloir recréer notre mover base qui a donc été détruite. Moi je laisse mon cheval, hein, je m'en bats les couilles. Ah oui, donc là je voulais voir un truc. Est-ce qu'il y aurait des gardes là? Parce que c'est vrai qu'il y a des tas de petites habitations, mais on voit pas grand monde pour l'instant. Ah!
marker placed. Donc je peux le marquer. J'ai pas de sniper, donc je ne peux pas pour l'instant. Est-ce que je pourrais passer potentiellement par l'eau en fait? Donc là, ok, il y a un autre garde. Ok, parfait. J'aimerais en louper vraiment aucun en fait. Pour pouvoir vraiment arriver en pleine discrétion. En toute discrétion. Ok. Donc on va essayer. On se roule un peu dans la boue, c'est un peu dégueu, mais bon, écoutez. C'est pour le bien de la mission. Est-ce qu'on peut l'avoir d'ici? Je vais quand même m'approcher. Est-ce que je l'ai touché? Non, j'ai pas l'impression que je l'ai touché. C'est un pistolet tranquillisant, la portée n'est jamais très élevée. Là, j'ai touché. Normalement, tu aurais dû mourir. Petit homme. D'accord, donc là, il prend bien son temps pour mourir. Non. Voilà. You have arrived at your destination. Est-ce que... Oui. Je voudrais... Je voudrais bouger de là, parce qu'ils vont le repérer sinon. Je voudrais quand même, hop, et le balancer par là. Voilà. Parfait. Non. On va essayer de se faire ce mec là, histoire de... Ah, il commence à faire nuit. C'est peut-être pas une chose énorme. Pas touché là, si? Ah, j'ai pas touché. Je vais pas rentrer par ici. Est-ce que... Au cas où, il nous repère au dernier moment. Il a une arme qui me plaît pas du tout, donc je vais l'enlever de là. Et je vais juste le balancer quelque part où on ne le verrait pas forcément. Ça, mon pote, ça c'est de la discrétion. Gardez, gardez, loin de la flèche.
suppressor's no longer effective. Bear in mind, your weapon will be loud from now on. Ok, on a bien failli se faire niquer la gueule. Bon. Est-ce qu'on pourrait le finir? C'est vrai que nos armes font du bruit, ça c'est peut-être pas une chose super. Est-ce qu'il y aurait moyen? Cassette obtenue. Ok, j'ai volé une cassette, ma gueule. On voit pas grand chose. Est-ce qu'il y aura un moyen de d'allumer une lampe? Un chargeur. Comment il s'appelle? Snake est censé avoir des balles illimitées. Bon. Ça n'a pas l'air d'avoir changé grand chose. Je sais pas si ici il faut vraiment que je récupère des infos ou pas. Ah, y en a un, il lui reste plus que. Je pense qu'il y en a un qui va se réveiller là. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de tout fouiller? On est à 983 mètres donc du de l'endroit. Hop. Je crois peut-être un petit peu vite pour être discret. Oui, un endroit ici, des choses à ramasser peut-être. Ok, donc il y a des ennemis là-bas. Bon, bah. On va dire que. Hop, par-dessus. Et on va se diriger. Donc, oui, oui, non, non, mais je vais pas m'utiliser de mes grenades ou ces genres de choses pour l'instant. Je pense que c'est peut-être pas très, très convenu. Ok, donc là, oui, il y a carrément... Ouais. Je vois ça. Qui peut être quand même vachement pratique. Je peux pas sniper, c'est ça qui m'embête. J'aimerais bien m'approcher en fait suffisamment près pour pouvoir les endormir. Sauf qu'en fait notre pistolet tranquillisant n'a pas énormément de portée. Il est évidemment pas puissant, mais... Je vais ramper. Par simple sécurité, je vais ramper. C'est un ennemi guard post. Watch yourself. Ouais. Je vais faire gaffe à ma gueule, les gars. J'ai l'impression d'être trop loin. Et là, il va me voir. Est-ce que j'aurais pas un moyen? Est-ce qu'on le tente de là? On va essayer de le tenter quand même. Pas si je l'ai touché. Peut-être pas. On va dire je sais pas trop. Je vais quand même essayer de ramper ici.
Donc je l'ai pas touché apparemment le mec hein. Ah si, quand même. Toi tu vas te calmer tout de suite. Boum, neutralisé mon pote. Ah d'accord. Bon, on va faire l'ancienne. Voilà. J'espère que ça vous a calmé les gars. What the fuck man? Ok la musique bien et tout. Ok donc j'ai tué tout le people. Des mun non. Non apparemment. Bon on va pas ramasser les ennemis, je pense que. Ok. Apparemment ici y'a rien quoi. Y'a rien d'intéressant. On va avancer hein, y'a pas l'air d'avoir grand chose d'intéressant ici. Peut-être une radio, je sais pas, des armes, des munes pour ceux qu'on avait peut-être besoin, mais Oui. Use your horse. D'accord. Hiding on horseback allows you to stay out of sight. Donc je peux appeler mon cheval avec L1. It's effective for avoiding enemy guard posts and long-range reconnaissance patrols. Donc où est mon cheval exactement là? Parce qu'en fait j'y vois pas grand chose, je dois vous avouer que là en termes de visibilité D'accord, ok. Ok. Et j'ai pas sifflé le cheval là, je sais pas trop comment ça marche du coup. D'accord, ok, fallait faire R3, ok, bon, je... Ok, bon, ouais, on va aller à cheval en effet. Je suis pas très fan du cheval, honnêtement, mais ouais, pourquoi pas. On va essayer de... Ça c'est bien pour ok. Ah c'est carré pour sprinter à cheval. Ok. Hop. Il vague. Ok donc là on va s'arrêter là. S'il te plaît. Voilà. Alors voyons voir. Est-ce que je marque le corbeau? Ça peut être un ennemi. S'il me voit, il peut toujours peut-être me faire repérer. Sur les toits. Mais il y a l'air d'avoir. Ça a l'air vraiment d'être mort en fait. Ah si j'en vois là. Marker placed. Là. Marker placed. Ok, donc on va enlever quand même ce marqueur là. Et l'autre, je suis pas sûr que ce soit un mec. Je vois pas beaucoup d'ennemis hein. You've reached one day. Miller is being held somewhere in that town. We don't know exactly where he is. You can keep gathering intel or make an entry into the town now. Ok, un espèce de mouton. Donc mon cheval il s'appelle comment? The Horse. C'est peut-être le cheval du coup. Je vais lui faire un nom un peu plus simple. On va descendre parce que je pense que c'est peut-être le plus discret. Arriver à cheval dans la ville, c'est peut-être pas le moyen le plus judicieux.
pistolet tranquillisant. Si je pouvais trouver des mines aussi, ça serait vraiment sympa. Et donc là, je peux pas vraiment rentrer. C'est ça. Carotte noire. D'accord, donc j'ai... D'accord. Donc je viens de rapporter des éléments chirurgicaux, médicinaux plutôt. Je crois que je l'ai endormi. J'ai quand même endormi, mec, hein, au cas où. Je veux même savoir comment on se bat au corps à corps aussi. Et donc là, il est tombé. You have arrived at your destination. Est-ce qu'il y a moyen de se battre corps à corps contre ce mec? Sight, sound, keep all your enemy senses in mind. When you're near an enemy, stay low and move slowly. You stand up and run around, you'll make it easier to spot you. C'est par là peut-être. Oh oh. On voit pas grand chose. Normalement il va s'endormir, j'espère. Ok. J'ai pu repérer. Ok, lui il dort. Alors d'où ça tire? Voyons voir d'où ça tire. Tu vois, je me suis fait repérer. Putain, 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 couche-toi. J'ai crevé. Ok. Wow, chaud quand même, hein. Là, j'ai l'impression que... Hop, on va prendre des mines sur les cadavres. Bon. Il y a encore des mecs. Ok. Un peu du mal à voir en fait. Il fait tellement nuit que j'ai un peu du mal à me repérer. Je dois vous avouer que j'ai un peu du mal là.
Avec cette nuit là, je vois pas grand chose. Ça m'aide pas beaucoup. S'il faisait jour, je pense que. Passer là. On va garder notre arme parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure elle nous a pas mal aidé. Surtout dans notre situation. Oula! Lève-toi! Oulala, 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 cache-toi, cache-toi! Oh là là, ouais, ok, il y a deux mecs là. Peut-être un petit peu chaud. J'ai vraiment trouvé Miller. Essayer de lui trouver un endroit où. Pourquoi il y a. Je vois rien. C'est abusé. Je vois vraiment, vraiment rien. Ok, donc là, un diamant. Allez. Peut-être dans cette maison là. Pas grand chose. Ah, c'est métal quand même. Métal courant, ok, pourquoi pas. Ça, c'est mes pas que j'ai fait derrière moi, ok. Est-ce qu'il y aura un moyen de monter tout en haut? Monter dans cette. Ah. Ah, bah voilà, je crois qu'il est par là. Un post captured. Voilà. Toi t'es mort. Je crois qu'il n'y avait pas d'autre vraiment. Pas d'autre moyen vraiment pour rentrer discrètement ici. On va pas aller ici parce que. Ça ne semble pas être la bonne idée. En fait, ça ne servait pas à grand chose. Est-ce que je peux pas monter, genre? Ouais, mais je peux pas monter en fait. Ok. Ok. Il y a des choses à ramasser ici. Réserve de carburant. Hop hop hop. Par là. Ok, moi je bouscule tout, je suis un thug. Ah bah voilà! Le voilà, c'est bien ce que je pensais. Ok, donc en haut de cet escalier, on est passé. Qui est ce mec? Cas, it's me. I'm here to get you out. Putain, ils l'ont bien torturé, hein. Snake. They do something to your eyes. No, it's. It's just bright as all. What took you so long? We'll talk, but not here. Ok. Ouais, j'ai sécurisé la cible. C'est peut-être un petit peu trop dit. D'accord, donc on peut pas vraiment. On peut pas vraiment. Ok. Je vais essayer. Attendez. Je vais essayer de me. Not so heavy anymore, right? Tac, on va essayer d'aller sur le point.
que j'ai mis et où est mon le point que j'ai voulu mettre. Je crois qu'il est là-bas. D'accord, donc l'hélico est ici. Bon ben ça tombe bien, on va essayer d'aller au point que j'ai voulu mettre, donc le R. Ok. Et je comprends pas pourquoi il y a un mec à chaque fois, il part. Dès que j'arrive, il part le mec. Lol. Le cheval, s'il te plaît. Ouais, ouais. Ah, le voilà, ok. Ok, vas-y. Et moi, je grimpe. Allez, c'est y part, mon gars. Je prends mon arme principale et je vais shooter l'autre. L'autre abruti. Ah, par contre, ça c'est. Ok, donc l'autre, il est, je sais pas, c'est bizarre. L'IA est bizarre dans ce jeu. Le gars, il est en train de partir à perpète les oies. Ok, donc je veux juste m'arrêter. Celui-là, mon pote. Voilà. Tu veux qu'on fasse quoi? Boss, watch out. It's the Skulls. Don't let them find us. Boss. What the fuck? C'est qui ces mecs? We can't see through it. I'm changing the RV so it's outside the mist. Vas-y. Get over there. The chopper will be waiting. Ok. Non, en fait, on va le remettre. On va se mettre dessus. Apparemment, il faut pas qu'ils nous repèrent, les mecs. Donc, on pourrait passer. Marker placed. Est-ce qu'on pourrait faire un détour? Je ne crois pas vraiment. Ils ont pas repéré pour l'instant, j'ai l'impression. Quitte pas la zone de mission, mon pote. Quitte pas la zone de mission, j'essaye de me trouver un chemin. Est-ce que eux, ils sont pas tranquillisants? Je suppose que les mecs s'en battent les couilles. Oh oh. Oh oh. Ok, donc là, à mon avis. Oh oh. Oh oh. Je crois qu'il va falloir courir. Non, pas là, pas là. Route, s'il te plaît. Non, mon gars, tu m'auras pas. Bon. Allez, cours. Ok, donc là, est-ce que... Ah d'accord, ok, donc bon, c'était pas possible. Hop. Hop. Ça les a marqués tout seuls en fait. Est-ce qu'ils seraient susceptibles de...
pourrais peut-être les attirer. Ouais, juste attendre qu'ils passent en fait. Est-ce qu'ils avancent? Je sais pas ce qu'il fait. Le problème, c'est que je sais pas du tout comment je vais pouvoir passer en fait. Y a pas un autre moyen. Je vais essayer de contourner carrément en fait. Moi, je crois que je vais. Y a pas d'autre solution. Je vais essayer de contourner. Tout simplement. Je vais contourner. Si le cheval veut bien monter, par contre. Je vais essayer de contourner tout simplement le truc parce que. Est-ce qu'il y aura un moyen de contourner? Je pense qu'il y a un moyen de contourner. Ah ouais, d'accord. Donc là, on s'échappe de la mission. Le problème, c'est que moi, je peux pas vraiment. Je peux pas donc passer. Quoi? Est-ce que par hasard je pourrais? Je peux pas, non. Je ne vois pas. Non, arrête de galoper, s'il te plaît. Ok, descendez, allez-y. Je crois que c'est le seul. La seule... Vas-y, continuez, descendez, allez-y. Je crois que c'est le seul moyen vraiment de. On sait même pas faire pairer les gens. Si c'est pas beau ça. Donc bon, apparemment, j'espère qu'il y en a juste pas d'autres sur le chemin. Alors. Marker placed. On va voir. Ok, donc là, il faut que j'aille ici. Ouais, on va passer par là. Donc d'accord, dès qu'il y a de la brume, donc c'est signe que ces espèces de mecs cheatés sont là quoi. Ok, bah la prochaine fois on fera gaffe. On prendra de l'anti-brume, je sais pas, du. Un truc. Allez hop. Atterrissage impossible. Quoi, est-ce que je suis dessous? Ok, c'est juste que j'étais dessous en fait. D'accord, c'est. D'accord. Non, s'il te plaît, cheval, bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Je pense que là, je vais pouvoir avancer. Oui. Hop. Et je monte. Et c'est parti. Ok. Ok. Le cheval qui a un espèce de. What the fuck? J'ai vu le cheval avec un espèce de. De montgolfière au-dessus du dos là. Alors, apparemment on a une mitrailleuse. Ok. D'accord. C'est vrai qu'on a mis quand même pas mal de temps. On a un petit peu galéré. Taux d'héroïsme. Ok, donc on va quitter les résultats. D'accord, donc on a fini apparemment l'épisode 1. On a un petit générique. Ok, récompense Afghanistan, cassette obtenue, nananani, nananana. We're headed for the Seychelles. That's where our new home is now. Hey. That was some operation we had, huh? 9 years ago, carving out our own world, making our own future, and they took it away.
I'm gonna rebuild it. Make a new place. Together. That we can call home. Yeah, we were dogs, all right. Slinking around out of Cypher's sight. Digging up whatever kind of dirty money we could find. You name it. We did it. You see this? Diamond Docks. Our new home. A phantom of our former selves. Triumph. Death. We weren't allowed either. Yeah. I remember it all. Just like a damn fiddle! Help me, Snake. Chico. It all ends soon, exactly as I've planned. No! Give my regards to your boss when you get home. Nations, even the U.S. And I was the parasite below, feeding off Zero's power. They came after you in Cyprus. In Afghanistan. Cypher just keeps growing. Swallowing everything in its path. Bigger and bigger. Who knows how big now? Boss. I'm gonna make him give back our past. Take back everything that we've lost. And I won't rest until we do. Pushing Mother Base.
Things have changed, boss. We pull in money, recruits, just to combat Cypher. Rubbing our noses in bloody battlefield dirt. All for revenge. The world calls for wet work, and we answer. No greater good. No just cause. Cause. Cypher sent us to hell. But we're going even deeper. I know. I'm already a demon. Heaven's not my kind of place anyway. Dogs of war for 9 whole years. That ends today. Now you're not sleeping. And we're not junkyard hounds. We're diamond dogs. Let them talk. We can crush Cypher, boss. And you can build the army that can do it. Just one thing, Kaz. This isn't about the past. We're fighting for the future. Ok, donc nous voici donc à la Mover Base. Donc c'est vraiment la putain de base, genre là, en mode plateforme pétrolière quoi. Ok. Bah écoutez les gens, on a ramené Miller donc là où là où il fallait. On a réussi à le sauver, pas sans mal. Et ça suffira donc pour cet épisode. Notre but donc, tuer Cypher tout simplement. Et évidemment, toujours la petite phrase, on se bat pour l'avenir et jamais pour le passé. Et oui, c'est vrai que dans les Metal Gear, c'est souvent ce qu'on nous ressort. Bref, les gens, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Déjà, on a fait pas mal de choses, je pense. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo, épisode 4, dans demain. Demain tout simplement. Je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter et à liker celle-ci. Et ciao.